Alors, pour limiter le droit d'accès des pages du wiki, on doit tout d'abord se connecter. Donc, il faut se connecter, voilà, si possible, en administrateur. Donc là, je me suis connecté en wiki-admin. Ensuite, se rendre sur la page gestion du site. Quand on est sur la page gestion du site, on a voilà, un certain nombre de possibilités, et notamment la possibilité de gérer l'accès aux pages. Donc je clique sur cet onglet. Et là, j'ai toutes les pages du wiki. Il y en a 85. Elles sont toutes là, avec pour chacune, qu'est-ce qu'on peut faire en lecture, en écriture ou en commentaire. Donc en lecture avec une étoile, ça veut dire que tout le monde peut voir la page. Et en écriture avec une étoile, ça veut dire que tout le monde peut modifier la page. Si on veut empêcher que des gens qui passent ne puissent modifier la page, bah, il faut limiter le droit d'écriture. Et donc pour limiter le droit d'écriture, on choisit les pages sur lesquelles on veut limiter le droit d'écriture. Donc là, moi, je vais prendre toutes, parce que c'était un peu l'idée. Je vais toutes les prendre, puis je vais glisser tout en bas. Et tout en bas, on voit que j'ai la possibilité de modifier les droits. Alors, soit je peux ajouter des droits, soit je peux remplacer les droits actuels. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les droits. Je ne vais pas modifier les droits de lecture. Je ne vais pas modifier les droits de commentaire. Mais je vais par contre remplacer les droits d'écriture. Pour l'instant, ils sont à étoile. Et je vais les mettre à @admins. Ce qui fait qu'il n'y aura plus que les gens qui sont dans le groupe admins qui pourront modifier les pages. Tout le monde pourra continuer à les voir, mais il n'y aura plus que ceux qui sont connectés en administrateur qui pourront les modifier. Je vais mettre à jour. Hop. Et maintenant, si je retourne, je vois bien que toutes les pages sont de nouveau en lecture, donc tout le monde peut les voir, mais que dorénavant, il n'y a que les administrateurs qui vont pouvoir les modifier en écriture. Et donc ça, on peut jouer autant qu'on veut avec ça, en fonction des pages qu'on veut ouvrir ou fermer sur son wiki. Voilà.